expirez et tournez la tête doucement à gauche. Permettre l'union de l'esprit et du corps, de la pensée et de l'action, en vue de faciliter l'harmonie entre l'homme et la nature, en vue de la 9e célébration de la Journée internationale du yoga. Célébrée sous le thème « Le yoga pour Vasudevaya Kutumbakam », cette première célébration à Pointe-Noire a réuni plus d'une centaine de personnes de différentes nationalités. Nous avons célébré à Pointe-Noire chaque année, mais c'est la première fois. La Journée internationale du yoga, nous la célébrons ici à Pointe-Noire également. On avait l'habitude de le célébrer sur le mois Brazza, nous avons décidé également que Pointe-Noire aussi également fasse partie de cette célébration. Le yoga est pratiqué pour une bonne santé mentale. Également, le yoga aussi combat les maladies comme l'hypertension, l'hypotension et le diabète. Helps you in fighting diseases like hypertension and diabetes. Conscient des bienfaits du yoga et de sa popularité à travers le monde, le représentant du préfet de Pointe-Noire invite les Pontenégrins à s'approprier de ces exercices physiques et mentaux de respiration et de méditation qui jouent un rôle primordial sur la santé physique tant mentale. Le yoga améliore notre santé. Le yoga a plusieurs vertus. Et sans fausse modestie, je dirais même que le yoga, c'est le premier médicament de notre santé. Je demande à tous les participants, à nous qui sommes venus pour la première fois, d'aller faire le yoga dans nos milieux parce que ça nous procure beaucoup de vertus et ça améliore notre santé. Au-delà de son aspect festif, cette journée a été une occasion pour le consulat de l'Inde au Congo d'informer sur les avantages du yoga sur ceux qui le pratiquent quotidiennement. Célébré chaque 21 juin de l'an, le yoga est une pratique de l'Inde qui combine des exercices physiques et mentaux. Elle est très bénéfique dans la gestion du stress et ses conséquences.